en fait, je viens de comprendre. J'ai demandé à Kira, j'ai dit finish. Et en fait, ils m'ont dit oui. Et je leur ai demandé Shahou Luther. Et ils m'ont dit no Shahou et Luther minuit. Ils m'ont dit à minuit. Enfin, ils m'ont dit un chiffre en anglais et j'ai pas compris. Je lui ai dit 00 en mode minuit. Elle m'a dit oui. En fait, faut que je rentre chez moi et après je reviens. C'est à minuit la prière. Faut que je revienne à minuit ici. Je prie la prière des jours impairs. Et après, on fait le fichier à l'hôtel. Ok, je vais le reprendre. Là, faut que je te dise une bonne nouvelle, mon bébé. Quoi? Tu penses que c'est quoi? Je suis enceinte. Ah. Je rigole. J'ai parlé au psy quand t'étais pas là. J'ai fait mon rendez-vous. Et le psy, parce que je voulais être posée. Bon, qu'on est posée, que je te le dise. Et le psy... Après, tu vas montrer une preuve que la première. Oui, oui, je pourrais te montrer la preuve, t'inquiète pas. Et il a dit que c'était toi le fou. Ah, faut que tu me donnes le numéro de ton psy. Je sais pas si c'est le psy que t'as appelé ou Jenna. Non, non, j'ai ni appelé Jenna, ni archi pas, wesh. J'ai appelé le psy. Jenna, c'est pas ton psy. Hein. Non, j'ai appelé un vrai psy. Tes amis, c'est pas un psy. J'ai pris une personne âgée. J'ai appelé un vrai psy, j'ai pris une personne âgée. Et le psy, il m'a dit que c'était toi le fou. Non, c'est bien ça. Que je vais tout appeler. Vraiment pas. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Par Allah, j'ai appelé. Ouais, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, il a dit que c'était toi le fou. Non, son numéro, je veux lui parler. J'aimerais bien savoir. Moi, tu vas te battre avec lui ou quoi? Non, je sais pas. Depuis quand je suis fou? Bah, je lui ai dit tout ce que tu me reproches. Après, peut-être que c'est contagieux, ta folie elle est peut-être contagieuse. Oui, avec un appel de 40 minutes. Avec un appel de 40 minutes, c'est contagieux. Ok. Je vais te dire la vérité. En fait, il a pas dit ça. Il a dit comme quoi que... Non, là, parle-moi sérieusement parce que tu m'as interrompu, je t'en train de bosser. Oui, mais tu m'écoutes, en fait. Tu veux pas m'écouter? Si, je t'écoute, vas-y, bosse, vas-y, dis-moi. Tu veux que je bosse à ta place? Non. Ok, bah, alors écoute-moi. Mais tu m'écoutes ou tu m'écoutes pas? Yusra, je t'écoute, vas-y, abrège. Le psy? Non, mais je dois prendre les pincettes. Parce que c'est un peu... C'est une claque qu'il m'a donné le psy. Je vais t'en donner une deuxième pour bien te réveiller. Il m'a dit quoi? Il m'a dit comme quoi qu'il va m'aider à retrouver mon âge de 22 ans, j'ai pas 15 ans. Il m'a dit ça. Attends, mais je me rappelle parce que tu me connais, moi je me rappelle plus de tout. Donc attends, je vais te dire ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas française. Il m'a dit. Il m'a dit je vais retrouver mon âge de 22 ans. Ok, bah je te parle comme lui m'a parlé. Je vais t'aider à retrouver ton âge de 15. Je vais t'aider à retrouver avec les séances qu'on va faire. Ton âge de 22 ans, non pas ton âge de 15 ans. Tu n'as pas 15 ans là, en fait. Parce que tu n'as pas 15 ans. Mais écoute, tu vas comprendre pourquoi. En fait, moi, je n'ai pas 15 ans dans ma vie. C'est pas moi qui suis fou, donc il y a un réel problème. Mais laisse-moi parler, mais je peux pas. T'as vu? Non, faut que tu me laisses parler, sinon je parle plus. Il a dit quoi? Il a dit aussi, on doit. Ton cerveau a eu des traumatismes. Des très gros traumatismes, il a créé sur moi parce que j'ai pas consulté quand il est décédé le médecin. Il a créé sur moi aussi que bah, je fais pas de test neurologique et là il faut que j'aille en faire pour lui et je dois lui rapporter le rendu, je crois. Il m'a dit aussi que j'ai eu beaucoup de traumatismes et comme bah, l'accident, j'ai revécu le deuil de mon papa à la ECMO, plus. Bah, j'ai eu le début d'AVC, plus j'ai eu le traumatisme de l'accident. Bah, en fait, mon cerveau, il va se mettre en défense, en autodéfense, dans le sens que il va croire que je suis un... mon cerveau, il va être tout le temps enfantin. C'est pour ça que mon comportement, il va être tout le temps enfantin, parce que je vais tout le temps penser à enfant, la vie est rose et tout, pour pas que j'ai la vie devant moi, la vraie vérité devant moi. Donc c'est un nomatisme, en fait, c'est mon cerveau, il est comme ça. Et il a dit que c'est normal c'est que... C'est quoi un nomatisme? Je te répète ce qu'il m'a dit. Un traumatisme. Un traumatisme, oui. Et il m'a dit aussi que
c'est normal que après 2 ans, enfin direct dans les 2 années, j'ai quand ils m'ont soignée, etc., j'ai pu me marier, j'ai pu être bien et tout. Mais là, en fait, là, je suis en train d'en payer les conséquences. C'était tout à fait normal mon comportement. Je lui ai même dit que j'avais ta PlayStation. Je lui ai tout dit. Il m'a dit que c'est tout à fait normal mon comportement parce que dans ma tête, je me crois enfant. Mais moi, je verrai jamais le mal. C'est que les gens autour de moi qui verront le mal. Et ils m'ont dit que je dois me soigner avec lui. Et je lui ai dit comme quoi que j'avais plus goût à la vie, que ok, je vis, mais je sais pas ça va me servir à quoi, quoi. C'est exactement ce que m'ont ressenti après l'accident. T'as fait que faire une séance. En fait, tu veux juste gratter des séances. Mais j'avais ta vie, il va me faire 4 séances. Mais archi pas, il m'a grave dit tout ce que j'avais. Il m'a dit tout ce que j'avais. Il m'a sorti des vrais mots et tout. T'es de consciente que t'as ça alors? Non, je sais le vois. Qu'il y a un problème. Mais non, je le vois pas. C'est le médecin qui me l'a dit parce que je lui ai raconté comme. Là, t'es en train de te snapper. Vas-y, demande au fils s'il pense que t'es normal. Demande-leur un sondage. T'avais les trucs avec les pouces là. Que les jeunes mettent sur Snap. Et pourquoi faire? Demande-leur. Oui, mais là, j'ai juste dit ce que vous me reprochez. Non, mais là, au psy, j'ai dit ce que vous me reprochez, toi, ma maman, mon frère et tout. J'ai Jenna et tout. J'ai pas dit moi ce que je me reprochais puisque je me reproche rien, moi. Et j'ai même pas dit ce que mes abonnés me reprochaient. Mes abonnés, ils me disent que. Ils me reprochent que je ressemble à une SDF. C'est une insulte, ça, je peux pas lui dire ça. Ils me reprochent ça, mes abonnés. Et ensuite de deux, je lui ai dit que je voyais pas le problème et que j'ai l'impression d'être folle. Parce que pour moi, pour voir un psy, c'est fou. Il m'a dit non, c'est dans le Moyen-Âge, tu n'es pas folle. Et après, je lui ai dit, est-ce que monsieur, je suis folle? Les gens qui vont chez les psys sont fous. Attends, je lui ai reposé. Non, mais attends, écoute-moi là. Non, là, tu m'énerves là. Attends. Je lui ai reposé la question. Est-ce que je suis folle? Il m'a dit non, tu n'es pas folle. C'est juste que tu as beaucoup de traumatisme. Et en fait, il m'a fait comprendre que mon cerveau, il est chez tout. Et qu'il faut faire plusieurs séances. Du coup, j'ai une séance avec lui mardi. Mais il faut que je la paye. Mais ma carte, ça passe pas parce que c'est une carte de Dubaï. Non, on va trouver une solution, c'est pas un souci. Mardi, c'est à quelle heure la séance? Ouais, mais ma première. C'est à quelle heure la séance? Première séance, c'est Gina qui me l'a payé. Je crois midi. Ouais, tu me le rappelles, je veux être là à la séance. Ah, au secours! Tu lui parles pas. Non, je veux juste écouter ce que tu dis. Et écouter ce que lui dit, je veux me faire mon propre avis. J'ai plus rien à lui dire. Ouais, mais il va te faire parler, il va te faire dire des choses. Et il m'a dit tout le temps, il veut vraiment. Il m'a dit, pour me présenter, il m'a dit, il veut savoir si j'ai eu des trucs traumatisants dans ma vie. C'est pour ça que je lui ai parlé de l'accident, sinon je n'aurais pas parlé de l'accident. Toi, t'en penses quoi? Donc tu le vois que je suis malade? Je vais attendre mardi pour me faire. Oui, mais donc tu vois que je suis malade, quoi. Donc faut me guérir, bébé, faut être patient avec moi. On est malade, hein? Ah, on est très patient. Tout le monde est patient. Tous les gens qui Et je lui ai dit que je faisais des pranks et tout, hein. Je crois que même tes abonnés sont patients. Que moi, je trouvais ça grave rigolo et tout, et il m'a bien dit. Il m'a dit, c'est normal, tu es enfantine. Tu es enfantine, je vais t'aider à retrouver ton âge. C'est un truc marrant, je serais le premier à dire que c'était trop marrant, j'ai rigolé. Hein. Je reparle là de tous mes pranks que j'ai fait, il y a aucun. Arrête. C'est des pranks de Gaulmont. De tous mes pranks que j'ai fait, il n'y a pas un qui est drôle. Non. Arrête de mentir, t'as rigolé quand j'ai fait le fauve-toi. Non, j'ai vraiment pas. J'ai rigolé de nerfs. J'ai rigolé parce que je savais pas quoi faire. Manger des feuilles en papier. Alors. Ok. Bah si. Mes pranks, ils sont pas drôles. Pour toi, je vais être plus créatif. Je vais t'en faire des plus drôles. Comme ça, tu rigoles, mon lapin. On va rigoler. Et là, j'ai réfléchi. Je vais pas de tir à balles réelles avec des pranks. Là, t'as vu, je me suis calmée. Là. C'est ton retour. Tu profites. Mais tu vas sentir la patate. Elle va venir. Tu sens pas la patate. Je vais mettre une de patate. Elle va sentir. La patate, faut que tu la sentes parce qu'elle va sortir de nulle. Part. Tu sais très bien que je suis très créatif, mes pranks, je vais te les refaire. Tu me dis que tu rigoles pas avec mes pranks, que ça t'énerve, je vais te faire rigoler avec mes pranks. Voilà, donc seule information que je comprends, c'est qu'il veut être présent. Tu veux être présent à mes pranks. Oui, tu vas être présent à mes pranks, c'est normal. Parce que je vais te les faire par force en fait. C'est normal qu'il sera présent. Mais tu seras présent à mon psy, ok. Mais faut que tu te réveilles, hein. Ok. Je vais mettre le sondage comme tu veux. Regardez ma voiture comme elle est trop sale. Demain, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le tuyau qui est dans mon jardin ici. Et je vais la laver à fond. On dirait qu'elle est vieille. En fait, on dirait que je vais laisser tomber depuis.
Il est là, il est là, il est là. Ah, il vole en plus. Il est là, il est là, il est là. Derrière. Moi, je peux la sauter sur moi. Elle est où? Voilà, je ne vole pas avec ces trucs. Il a remonté sa réveille. On va le ramener à la maison. Voilà, c'est pas marrant. Voilà, c'est pas marrant. Ça fait des bébés, ça va nous faire des bébés dans la voiture. On va... Ouais, mais t'as ramené la machine. À faire dans la maison. Qu'il a désinfecté, le monsieur là. Vas-y, carrément, cherche-le, tue-le. Moi, je vais pas le tuer. Mais... Parce que tu mets une heure à sortir, à monter de la voiture. À chaque fois, tu casses la tête. Ça... Arrête de crier sur moi. Tu es le cafard. Je le vois pas, wesh. Oui, parce qu'il est plus là, voilà. Donc, il a dû voler sur moi. Si, si, il est toujours là. Coucou les filles, j'arrive avec Lutès. Alors, moi, je suis la créatrice de Lutès Cosmétiques, donc une marque que Yousra présente depuis à peu près 3 ans. Hein. Ouais.